Je m'appelle Étienne Ringot, j'ai 28 ans et je suis diplômé de l'école d'ingénieur du littoral Côte d'Opale de Calais. J'ai intégré une ESN à la sortie d'études et je suis arrivé chez Auchan en tant que prestataire il y a 3 ans. Puis j'ai intégré les équipes Auchan en tant que développeur web, sachant que j'avais déjà travaillé dans l'entreprise, dans un drive pendant mes études à Calais. Un développeur conçoit et développe des solutions adaptées qui répondent aux besoins du client. Auchan s'engageait il y a quelques mois sur ce qu'on appelle la culture du DevOps. L'idée, c'est que le développeur soit chargé du développement, de la conception, mais aussi de la vie en production. Et donc, il soit lui qui résout les incidents quand il y en a en production. Chez Auchan, on est organisé en méthode agile, avec des cycles qui vont de 2 à 3 semaines. À la fin de chaque itération, les fonctionnalités qu'on a conçues et développées sont déployées en production. L'important pour nous, c'est de s'assurer que les fonctionnalités s'intègrent bien au site et ne dégradent pas ce qui existait déjà en production. Les technologies et les solutions évoluent tout le temps, donc ça implique de faire beaucoup de veille technique pour rester à jour, mais au moins, il n'y a pas de routine qui peut s'installer. Si je peux citer quelques technologies qu'on utilise, je peux parler de Java pour le développement back-end et Vue.js pour le développement front-end. Et pour l'hébergement, on est sous Google Cloud Platform avec Kubernetes. Quand je travaillais en drive pendant mes études, j'imaginais toujours la machinerie technique qu'il y avait derrière. Même après 5 ans à travailler ici, il y a toujours un peu de magie, justement, participer à ça et avoir l'autre côté du miroir. Et également, je trouve qu'Auchan met vraiment l'accent sur le e-commerce. Et donc, on a vraiment les moyens de nous épanouir dans notre métier en tant que développeur web.